obligatoire dans ce temps-là. Son père n'a pas été trop réticent. Hein? Je l'ai emmené avec moi. Qui, le père ou la fille? Je peux vous dire que moi, je suis bien marié, mais elle, je ne sais pas. C'est une autre affaire, ça. Est-ce que vous croyez aussi que vous êtes bien marié, madame? Oui, ben oui. Marié. Vous avez des enfants? On a 9, on a 4 de vivants, 5 de morts. Ah bon. C'est quand même une très belle famille. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, vous, cultivateur? Cultivateur, 54 ans. Vous êtes né là... 15 ans dans une manufacture de meubles. Ah, vous avez travaillé dans une manufacture de... Qu'est-ce que vous faisiez, des pattes de table? Ce genre de choses, j'ai passé partout. J'ai juste été chauffeur. Vous avez été? Chauffeur. Sept ans. Oui, 7 ans. Chauffeur gardien. Ah oui, bon. On doit s'arrêter là-dessus, sur le chauffeur. Pour l'hiver. Oui, on va s'arrêter sur le chauffeur. Il faut s'arrêter là. On vous remercie d'être venu. Vous avez envie de dire d'autres choses, là, vous? Ben, à mon nom et au nom de ma femme, je peux dire bonjour à mes enfants. Ça, c'est une bonne idée, c'est déjà fait. Puis à qui, mes amis? À vos amis, à part de ça. C'est fantastique. Vous n'oubliez pas personne. Pas mes ennemis, mais j'en ai pas. Merci. Permettez-moi de vous féliciter. Merci beaucoup, madame. Merci. Il y a un autre monsieur ici. On va prendre deux petits moments avec lui. Je sais pas si tu peux me faire une petite place à côté de ce monsieur-là. Ah, oui. Ça, je vous le présente, c'est M. Octave Laflamme. C'est vous, ça, M. Laflamme? Oui, monsieur. Quel âge vous avez, M. Laflamme? J'ai 92 et quasiment 3 mois. Là. 92 et quasiment 3 mois? Ouais, vous en allez sur 93, ouais. Vite là? Ouais. Oui? Ouais. Vous êtes né là, vous? Oui. À Saint-Agathe. Oui, monsieur. Oui. Maintenant, écoutez, il nous reste très peu de temps. Moi, j'aurais aimé vous faire parler aussi de votre jeunesse. Mais il a fait un gros soupir. Avez-vous entendu? On a parlé de sa jeunesse. Il y a des souvenirs, je gage, là-dedans, hein? Ah, il y a des souvenirs. Il y a des souvenirs. Ouais. Formidable. C'est trop long de trop dire. Long à raconter. Non, moi, je voudrais qu'on prenne les petits moments qui nous restent pour vous entendre chanter. J'aimerais ça vous entendre chanter. Oh. À 92 ans, je pense que vous êtes capable de chanter encore. Oui? C'est bien. Une petite affaire? Ben, allez-y donc. Allez, on va vous écouter. J'ai bientôt 93 ans. Oh, je le vois bien, car il est temps d'abandonner la vie. Je la quitte aussi sans regret. Pour moi, je vais faire mon paquet. Bonsoir, la compagnie. J'ai goûté de tous ces plaisirs. J'en ai gardé jusqu'au désir. À présent, il m'ennuie. Mais quand on n'est plus bon à rien, on se retire et l'on fait bien. Bonsoir, la compagnie. De là, ce moment, quand je partirai, oh, je ne sais là où j'irai, mais adieu, jeune fille, il ne peut que me mettre bien. Pour moi, je n'appréhende rien. Bonsoir, la compagnie. Dis, quel folklore on avait su conserver à Sainte-Agathe-de-Lobinière. C'est déjà les tout derniers instants de l'émission. Il me reste le temps ici de remercier d'abord toutes ces bonnes gens de Sainte-Agathe qui ont si magnifiquement fait les choses et remercier particulièrement l'organisatrice... Madame Bernard Laflamme. Bon, ça me revient tout à coup. Madame Laflamme, on vous félicite et on vous remercie d'avoir si bien organisé cette soirée. Vous allez recevoir évidemment la photo souvenir de votre groupe, de même que les micro-sillons de soirée canadienne. Bravo à vous, madame. Je remercie le poste CHLT de leur bon accueil. Puis à vous, M. Bledot, la municipalité de Saint-Agathe vous remet cette peinture faite par une dame de chez nous, Mme Eva Drouin. Si vous voulez la remercier en mon nom. Allez-y. Mme Drouin, merci. C'est d'ailleurs elle qui a fait l'accompagnement de piano pendant les répétitions. Oui. Merci, c'est magnifique. Vous êtes une grande artiste, madame. Je suis fier de posséder votre œuvre. Merci beaucoup. Merci. Oui. Et celle qui est à côté de Mme Drouin, c'est Mlle Doris Gosselin qui a aussi participé à l'accompagnement pendant les répétitions. Merci beaucoup à vous. Et je voudrais également... remercier son honneur le maire, M. Albert Gagné, qui a fait le texte, qui a composé le texte qu'on a entendu pendant le film. Merci beaucoup, M. le maire. Et merci encore une fois à tous ces bonnes gens. Pour pouvoir terminer avec la danse, si vous voulez bien vous approcher, M. Murphy, placez donc vos danseurs, s'il vous plaît.
Et moi, il me reste ici le temps de lancer l'invitation habituelle. N'oubliez pas que c'est une invitation importante chaque semaine. Une invitation à revivre notre folklore, celui qui nous identifie, celui qui nous permet de sentir vraiment des gens importants chez nous au Québec, au domaine folklorique. Alors, on vous remercie beaucoup, mes chers amis. Soyez là la semaine prochaine. À la prochaine, donc. Allez-y donc, en avant la musique.